L'ambiance est bon enfant au cours du déjeuner des écureuils juniors et du staff technique. À la suite, membres de la Fédération béninoise de football et toute l'équipe font un débrief de la rencontre face à la Gambie. Un match gagné 2-0 grâce à un doublé de Samson Akinyola. Un exploit qui ne réjouit pas encore le président de la fédération. Ce qu'on a vu hier ne me convient pas. Vous devez travailler physiquement. Pour le dernier tour, le Bénin affronte le Ghana. Notre adversaire s'appelle le Ghana. Un des pays africains qui font souvent le prestige de l'Afrique. Un gros morceau à jouer pour l'équipe béninoise. Rien n'est gagné à l'avance. On va négocier avec le Nigeria, qui a un football similaire au Ghana. Après, nous allons jouer le Gabon à Cotonou, une semaine avant l'envol Dakar. Le programme que le président vient de dire tout à l'heure par rapport à ces trois matchs, si ça, ça tient, je crois que ça va beaucoup aider l'équipe. Les joueurs ne savent pas bien ce qui les attend. La présence du Bénin au Niger en 2019 est obligatoire d'ici en Jorin Moucharaf. Vous deviez vous qualifier. Et pour le faire, il faut travailler. Il faut travailler plus de 4 fois que ce qu'on faisait avant. C'est ce que Maradona dit. Ce que nous voulons, c'est d'être présent au Niger en 2019. Les écureuils juniors ont devant eux 2 mois pour préparer le match aller face au Ghana. Pour finir, une rencontre à huis clos a eu lieu entre les joueurs et le staff technique.